Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une journée dans mon assiette. Je pense que vous connaissez ce style de vidéo si vous êtes ancien sur ma chaîne. Mais si t'es nouveau, n'hésite pas à t'abonner juste en bas et active la cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je mets une petite vidéo en ligne. C'est une vidéo que je fais assez souvent sur ma chaîne parce que j'adore faire ce style de vidéo. Je vous montre ce que je mange dans la journée, donc bon. Si t'aimes ce style de vidéo, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à aller voir ma chaîne de vlog, il y a un concours actuellement, donc n'hésite pas à y aller. Et puis si t'es pas abonné à ma chaîne de vlog, abonne-toi aussi, tu y verras toutes mes aventures, toute ma vie de tous les jours. Voilà, donc bon, à tout de suite dans la vidéo. Ce jour-là, mon petit-déj sera essentiellement salé. Comme d'habitude, je commence par me couler mon café et ensuite je vais me faire deux œufs. Donc un œuf où je vais utiliser que les blancs et un œuf entier par la suite. Je les fais cuire vraiment comme des œufs au plat, donc je fais cuire le dessous en entier et ensuite je le retournerai et je vais cuire vraiment quelques secondes. Dans une assiette, je prépare du fromage et du blanc de poulet, donc ici, j'ai choisi du blanc de poulet aux herbes, mais vous pouvez vraiment prendre ce que vous voulez, du jambon, etc. Et ensuite, je mets mon fromage sur mes œufs pour que ça fonde un petit peu et que ce soit plutôt cool. Et j'ai aussi mis un petit bout de brioche juste à côté. C'est vraiment les petits déj que je prends quand j'ai besoin d'énergie, quand j'ai besoin de force, après le sport, enfin... Voilà, c'est clairement mon petit déj préféré. Ensuite, pour le repas du midi, j'avais pas trop faim et j'ai décidé de me faire une grosse salade. Donc là, vous prenez tout ce qui vous tombe sous la main, de la salade, des tomates, de l'avocat, du thon, du maïs, enfin tout ce que vous aimez et tout ce que vous voulez. Dans un bol, j'ai mis ma salade, ma tomate et ensuite j'ai mis mon avocat. L'avocat, vous pouvez le laisser entier ou le couper en morceaux, mais c'est vrai que moi, je préfère quand il est incorporé dans ma salade. J'ai décidé de faire le thon à part pour vraiment pouvoir faire des proportions adaptées à ce que j'ai besoin en protéines. Donc tout d'abord, je réhydrate mon thon, je l'émiette, je l'assaisonne avec tout ce que j'ai sous la main. Donc vous me connaissez, hein, moi c'est les épices à gogo. Donc j'aime bien rajouter un peu de vinaigre et un peu de citron parce que j'aime bien le côté acidulé. Après, je rajoute un peu de moutarde. Un petit peu de crème fraîche 0% et je mélange le tout. Et ensuite, on passe au dressage, donc vraiment rien de très compliqué. Par-dessus, je mets le thon, il y a environ 150 g de thon par personne, c'est à peu près ce que je dois manger en protéines le midi. Et ensuite, je mets une tranche de fromage par-dessus pour chaque personne. C'est vraiment un repas hyper rapide quand on n'a pas le temps et c'est hyper bon. Que ce soit niveau protéines, glucidiques, enfin, il est hyper riche et vous prenez pas trop de calories, donc c'est idéal. Pour le goûter, vous savez à quel point je kiffe le thé, et surtout le thé à la menthe dans la Tassimo, et ça c'est quelque chose que je fais très souvent, donc je me fais un petit thé à la menthe. Et ensuite, je me suis pris 4 petits Oreos pour le petit côté gourmand. Mais vous pouvez prendre vraiment ce que vous voulez pour accompagner votre thé ou alors le prendre tout seul. Vu que j'avais bien mangé durant ma journée, je me suis contentée d'un thé gingembre citron avec un petit sachet de stevia. Et je pense que ça suffit largement. Enfin, quand vous passez des journées où vous mangez bien à votre faim, si vous n'avez pas faim le soir, il faut éviter de manger. Moins on mange le soir et mieux c'est pour la digestion. Donc voilà. Et voilà tout le monde, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et si c'est le cas comme d'habitude, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche. Et abonne-toi aussi à ma chaîne de vlog. Participe au concours, je vous mettrai tout ça dans la barre d'infos. Et voilà, je vous fais des bisous mes Frenchies. On se retrouve comme d'habitude sur les réseaux sociaux. Notamment sur Instagram, c'est clairement le réseau social où je suis le plus active. Donc je te mets mon Instagram juste ici, n'hésite pas à me rejoindre. Et voilà, bah, je te fais des bisous et je te dis
à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao !